Hello, vous tous. Vous savez, pour moi, la composition, c'est pas une chose facile. Ça met beaucoup de temps. Ça commence souvent avec une suite d'accords, et puis ou un rythme. Et puis là, j'avais un rythme qui était en 6-8. J'aime beaucoup ce genre de rythme. Ça danse un peu. Et puis voilà, ben, j'avais quelques accords comme ça, mais c'est tout. Et puis, il y a déjà quelques années, en allant à Paris avec Déborah Millard et puis Géraldine Monjean, on allait à Paris une fois par mois pour enseigner sur le tabernacle de David. Un soir, on conduit la louange et puis il y avait toute une équipe de danse qui était là et qui avait proposé à tous ceux qui le voulaient de passer sous les bannières, sous comme un acte de bénédiction et puis de recevoir quelque chose du Seigneur. Et puis ben moi j'ai trouvé que ça c'était un peu, vous savez, j'ai des fois de caractère un peu stupide, j'ai dit waouh, c'est quoi encore ce truc-là, ça sert à rien, c'est qu'un geste, et puis je me sentais pas du tout concerné. Et puis là on vit vraiment quelque chose de très fort au niveau de la louange, la soirée se termine, et puis c'est Dieu qui me dit écoute Daniel, t'aurais dû y aller. Je dis bon, ben, tout est fini. Et puis, je me suis simplement approché à l'endroit où avait été l'équipe de danse. Et je me souviens, j'étais debout à cet endroit-là, la salle était vide. Et j'ai dit, ben, Seigneur, voilà, je suis là. Je suis là, je suis dans ton temple. Et là, c'est devenu, mais tout soudain, très très fort, j'ai senti la présence de Dieu qui est venue. C'était une présence qui m'a fait écrouler à genoux. J'étais même paniqué, j'ai senti que Dieu était vraiment quelqu'un de grand, de saint, et que moi j'étais vraiment un petit homme, hein, et puis que je pouvais pas faire le malin devant lui, je pouvais pas lui mentir. Et cette présence m'a complètement bouleversé, elle m'a, ouais, depuis la tête aux pieds, et j'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer. Et là, ce qui m'a aussi fait du bien, c'est qu'un des anciens qui était encore dans la salle est venu, il m'a pris dans ses bras et il m'a serré et j'ai pu profiter de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'après j'ai eu les paroles de ce chant qui dit à genoux à tes pieds, je suis émerveillé de voir combien grande est ta majesté. Devant tant de beauté, lorsque ta sainteté de son poids fait plier ma volonté. Et c'est ça qui a donné les premières paroles du chant, puis avec mon ami François Raymond. Il m'a aidé à mettre le chant au point. Il m'a demandé de faire encore une deuxième et une troisième strophe. Et puis voilà, c'est le chant 863. Et voilà son histoire, les amis. Moi, je vous bénis aussi à vous tous, compositeurs, et que Dieu nous saisisse encore de plus en plus afin qu'on compose des choses merveilleuses et qui marquent et qui bénissent le peuple. Soyez bénis. Au revoir.